Mauvaise habitude à briser pour améliorer votre vie au travail. Vous êtes dans un voyage d'auto-amélioration, ce qui est admirable. Mais avant de commencer à faire une longue liste de choses que vous pouvez faire pour améliorer votre vie, vous devriez examiner les habitudes négatives que vous devez briser. Nous avons tous de mauvaises habitudes qui pourraient nous empêcher de devenir le meilleur possible. Nous nous sentons souvent à l'aise de faire les mêmes choses jour après jour, mais vous ignorez peut-être que certaines de ces habitudes peuvent nuire à votre productivité et même avoir un impact négatif sur votre vie professionnelle. Arrêtez de fumer. Si seulement nous pouvions inhaler la production comme nous le faisons avec la fumée de cigarette. Ce qui se passe réellement, c'est qu'après avoir fumé, votre concentration et votre productivité en souffriront. Pire encore, si vous anticipez votre prochaine fumée, votre attention en souffrira. Arrêtez de fumer si vous voulez être plus productif et vivre une vie plus saine. Faites les meilleures sélections musicales. La musique que vous écoutez pendant un entraînement sera très différente de la musique que vous écoutez pendant que vous travaillez. Choisissez une musique que vous appréciez et votre cerveau produira plus de dopamine, ce qui vous rendra enthousiaste plutôt que concentré. Choisissez une musique d'ambiance à écouter pendant que vous travaillez. Évitez la musique qui vous est familière car vous serez distrait par les paroles. 4 tasses de café maximum. La majorité d'entre nous apprécions notre café. Lorsque vous saurez quelle quantité de café boire, cela stimulera votre cerveau. Les régions de concentration, d'attention et de planification peuvent bénéficier de 400 mg ou 4 tasses de café chaque jour. Cependant, boire plus que cela pourrait avoir l'effet inverse, vous rendant irrité, agité et inquiet. Apprentissage et travail séparés. Apprendre est essentiel si vous souhaitez développer et améliorer vos talents. Apprenez ce que vous pouvez et mettez-le en action. Cependant, vous ne devez pas permettre à l'apprentissage d'entraver votre travail, car cela aura un impact néfaste sur votre développement personnel. Définissez des heures ou des jours spécifiques pour étudier afin qu'ils n'entrent pas en conflit avec votre emploi. Limitez vos récompenses. Vous accomplissez une tâche. Vous pensez que c'était difficile, vous méritez donc une pause, c'est votre cadeau à vous-même. Bien que cela puisse être vrai, si vous prenez une récompense le matin et une l'après-midi. C'est tout, quelle que soit votre productivité pendant la journée. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir plus productif lorsque vous remarquez vos comportements négatifs et que vous les transformez en habitudes positives. Abonnez-vous à la chaîne, si vous voulez avoir plus de conseils. À bientôt!